Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un oiseau mythique sur lequel je ne pensais pas faire un épisode, le pélican blanc. Concrètement, la carte de répartition du pélican blanc c'est ça, donc il y avait quand même très peu de chances pour tomber sur un pélican blanc en plein milieu de la Vendée. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu ça devant la maison, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait mis quelque chose dans mon café, parce que là franchement c'était une blague quoi. Il y a environ 100 pélicans blancs qui transitent en France, qui sont soit égarés de la migration ou qui se sont évadés des parcs ou des zoos. Donc celui-ci s'était bien évadé d'un parc puisqu'il s'est évadé du Puy du Fou, qui est quand même à 3 quarts d'heure de la maison, et il est venu se poser voilà, vraiment devant chez moi quoi. Parmi les pélicans, on peut citer le pélican blanc, celui-ci, le pélican frisé ou le pélican à lunettes. Donc ce pélican, il avait une balise GPS qui ne fonctionnait plus et le parc ne savait pas du tout où est-ce qu'il était. Donc on a dû appeler le parc pour les prévenir. C'est le plus gros des oiseaux d'eau, avec une envergure entre 2 mètres et 3 mètres. Les mâles sont souvent plus gros que les femelles, il y a un énorme dimorphisme sexuel chez cette espèce. Et on va reconnaître les mâles à la huppe qui sont derrière la tête, que les femelles n'ont pas. C'est très impressionnant de voir cet oiseau évoluer dans la nature vendéenne avec un comportement complètement naturel puisqu'il pêchait comme dans son environnement naturel. Il n'était pas du tout farouche ou inquiété par nous et nos appareils photo. Il était vraiment très calme et puis je pense aussi qu'il était très habitué à l'espèce humaine. Ça va, il était tout seul, mais je me dis que quand même beaucoup de pélicans sur un même endroit, ça peut quand même faire beaucoup de dégâts. Je parle notamment sur les populations d'amphibiens où ils pourraient vraiment faire des vrais carnages vu comment ils pêchent et vu comment ils sont précis. Sur le pélican blanc est déjà terminé. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.